Bonjour à vous, guerrières et guerriers, et bienvenue dans ma salle d'armes. Les œuvres de fiction nous ont souvent offert des armes mythiques qui nous marquent encore aujourd'hui. S'il y a eu des armes que je trouve incroyables comme les sabres laser ou les épées tronçonneuses dans Warhammer 40 000, il y en a d'autres qui sont complètement débiles. Mais moi, vous me connaissez, quand je vois une arme dans une œuvre de fiction, la première chose que j'ai envie de faire, c'est savoir comment ça s'utilise dans la vraie vie. Et souvent, très souvent même, mes réflexions sont de cet ordre-là. Quoi? Dans cette vidéo, nous allons voir donc les armes de fiction qui, selon moi, sont complètement débiles. Soit parce qu'elles sont totalement inutilisables, dangereuses pour l'utilisateur, ou juste nulles, tout simplement. D'ailleurs, en parlant d'armes de fiction, je connais un jeu qui en possède un paquet. Et permettez-moi de vous en parler. Vous savez, en tant que streamer galactique, c'est pas toujours facile de se poser pour jouer à un bon jeu. Et c'est vrai que sur un mobile, c'est pas facile de se faire autant plaisir que sur un PC. Mais ça, ce ne sera plus le cas à partir du 19 septembre, date de sortie du jeu Dragonheir: Silent Gods. Si vous avez kiffé Baldur's Gate 3, eh bien ce jeu est parfait pour vous. Il s'agit en effet d'un RPG open world développé par les créateurs de Marvel Snap, se déroulant dans un monde de western fantasy, reprenant les mécaniques des JDR papier avec les jets de dés, une customisation ultra complète des personnages constituant votre équipe, bref, vous avez un jeu reprenant les codes de Donjons et Dragons directement dans votre téléphone. Vous incarnez votre propre héros ou héroïne qui se lance dans une quête pour retrouver ses souvenirs et ses pouvoirs perdus, en découvrant les secrets du monde d'Adencia avec ses compagnons. Et vous allez en découvrir un paquet de secrets! La vaste terre d'Adencia s'étend sur plus de 280 scènes uniques, englobant une zone proportionnelle à l'ensemble de l'Europe, avec une multitude d'énigmes et de quêtes à découvrir. Et en termes de baston, vous allez être servi! Plus de 200 héros couvrant 8 caractéristiques de combat uniques, 6 types élémentaires, 9 alignements moraux, 20 races et 21 classes pour s'adapter à votre style de jeu. Le tout sur des champs de bataille dynamiques et impressionnants. Préinscrivez-vous en utilisant le lien de la description ou le QR code. Rejoignez l'événement des Otherworld Horn ou la corne de l'autre monde pour avoir une chance de gagner des invocations gratuites et vous aurez même la possibilité d'invoquer l'un des héros légendaires pour qu'il rejoigne les rangs des joueurs. Et le jeu sera disponible sur PC, iOS et Android, donc n'hésitez vraiment pas. J'en ai marre. C'est parti. Bon, alors globalement, des épées qui ont deux lames dans le même sens, c'est une idée. Mais une idée de merde! On peut voir ça par exemple dans le très bon film Final Fantasy VII Advent Children. Mais frérot, c'est quoi l'intérêt de ton arme de mort en dehors de te démarquer des autres Katana Boys? Mais alors, quand ce concept repousse ses limites, ça nous donne l'arme dans The Sword and the Sorcerer. Si vous ne connaissez pas, c'est un film sorti en 1982 qui nous raconte l'histoire d'un mercenaire se baladant avec une épée à trois lames qui est recruté pour aider une princesse à déjouer les plans d'un vilain tyran pas sympa, et avouez que c'est la première fois que vous entendez ce genre d'histoire. Des épées ou sabres avec plusieurs lames en parallèle comme ça, c'est vraiment une idée à la Mormoilleneux. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais essayons quand même de trouver une bonne raison de forger une arme pareille. Et en vrai, si on réfléchit bien, il y en a peut-être une. En effet, le fait d'avoir deux voire trois lames dans notre cas, ça fait que si vous mettez un coup, vous ne ferez pas une blessure, mais potentiellement deux ou trois. L'arme est donc, sur le papier en tout cas, plus mortelle, ou en tout cas ses blessures sont bien plus compliquées à soigner. Sauf que bah, ce pseudo-avantage, il est annulé par le fait que l'épée, vu qu'elle a deux voire trois lames, est donc deux voire trois fois plus lourde. Bonjour, je suis le professeur Jimmy Etron. Une épée, ça pèse en moyenne entre 1 kg et 1,5 kg. Une masse manipulable par la plupart des représentants du genre humain. Maintenant, si on est un énorme trou du cul et qu'on décide de rajouter deux lames sur l'épée, eh bien, tenez-vous bien, vous triplez la masse de l'objet. L'épée ne fait plus alors entre 1 kg et 1,5 kg, mais plutôt entre 3 kg et 5 kg. Soit la masse d'une grande épée à deux mains qui est déjà beaucoup trop lourde. Autrement dit, c'est de la merde. C'était la leçon de Jimmy Etron. Et encore, je vous parle de l'augmentation de la masse, mais on ne parle pas du point d'équilibre qui est certainement aux fraises, et que techniquement, c'est impossible de faire une soie assez solide pour tenir trois lames comme ça en parallèle. Ou alors, t'as une poignée aussi trois fois plus grosse, mais bon, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas grossir de trois fois sa main, sauf le fil. Mais bon. Bref, les bénéfices sont complètement annulés par les contraintes. Et là, les connaisseurs du film vont me dire « Non mais attends, Jamy, les deux lames sur les côtés, on peut les tirer, c'est tout là l'intérêt de l'épée, finalement. » Parce que oui, en effet, à l'image de l'épée du paladin dans le dernier Donjons et Dragons, le mercenaire peut tirer les deux lames pour abattre des adversaires à distance. Sauf que bah si c'est tout l'intérêt, pourquoi pas mettre des petites lames sur les côtés, qui sont moins encombrantes, elles rendent l'épée moins lourde, et bah ça suffit largement pour tuer quelqu'un. Ce serait tout aussi mortel, bon, évidemment si on part du principe qu'on peut créer une épée avec des lames propulsables, hein, sans les contraintes qu'elle apporterait au corps à corps. Et même d'ailleurs, les lames sur les côtés, elles pourraient avoir un rôle intéressant pour contrôler la lame adverse au corps à corps. Puis en plus, même esthétiquement, cette arme, mais qu'est-ce qu'elle est moche! Et le seul vrai intérêt que je vois, c'est pour trancher du pain plus rapidement, hein, mais c'est tout. Puis bon, ça fait quand même un système bien compliqué qui apporte quand même de nombreuses contraintes pour éliminer au mieux deux adversaires. La balance bénéfice-contrainte, elle est pas folle quoi. Bon, vous commencez à comprendre que quand on fout plusieurs lames sur une épée, c'est jamais une très bonne idée. Je mets de côté le double sabre laser de Darth Maul, car même si ce n'est clairement pas l'arme la plus maligne qui soit, elle a quand même quelques intérêts. Je garde donc ça pour une future vidéo. Mais en revanche, s'il y a bien une arme dans le même style qui est complètement absurde, c'est la double épée de Thanos. Pour remettre le contexte, si dans Infinity War, on voit Thanos, l'un des meilleurs méchants du cinéma, défoncer tout le monde grâce à un gant de l'infini, l'une des armes les plus puissantes du MCU, à l'époque, il possédait une arme iconique, immensément puissante, mais qui n'avait finalement pas vraiment l'apparence d'une arme. Ça reste un gant, une arme plutôt portée vers la protection. Car c'est finalement ça que veut Thanos. Il ne veut pas détruire l'univers, il veut le protéger, le sauver. Et c'est pour cela qu'en dehors de Loki et Vision, pour qui il a de véritables raisons de le faire, il ne tue personnellement aucun personnage, alors qu'il en a finalement largement les capacités. Mais il veut que chacun ait sa chance de survivre à sa loterie. Dans Endgame, c'est un tout autre Thanos que nous voyons, un conquérant, le Gengis Khan de la galaxie, et là, et bah, il fait pas rire les patates à la cave, c'est moi qui vous le dis. Thanos est saoulé, il se rend compte que les gens n'ont rien à foutre de sa solution, qu'ils feront tout pour retrouver l'univers d'avant, donc il vrille complet le man, et il a décidé qu'il allait tout cramer pour repartir sur des basses scènes. Et donc évidemment, il lui fallait une autre arme iconique, capable de marquer les esprits tout en ayant une puissance qui en impose. Sauf que sa nouvelle arme, bah c'est de la merde. Et je parle pas en termes de puissance, parce que justement, il arrive à solo les trois Avengers principaux. Mais c'est de la merde parce qu'elle est mal fichue. Déjà, une double lame avec une poignée simple, c'est la pire idée. Et surtout que Thanos, si vous regardez bien, ce n'est pas une double épée qu'il a, mais un double sabre, avec un tranchant de chaque côté. Ce qui veut dire qu'à chaque coup que tu mets, eh bah tu vas te trancher toi-même si tu fais pas gaffe. Et en plus, t'as aucun moyen d'utiliser le tranchant de la lame inférieure, parce qu'elle est tournée du mauvais côté. Le seul geste que tu peux faire, c'est un mouvement de haut en bas, comme ça, avec l'arme, mais bah, c'est nul quoi. Le seul intérêt de son arme, c'est le fait de pouvoir le lancer comme un boomerang, mais c'est tout. D'ailleurs, pareil que c'est une ref au Thanoscopter dans les comics. Mais enfin, ils ont clairement filé la pire arme à notre titan fou préféré. Car elle n'est absolument pas fonctionnelle, et même pour lui au final, d'ailleurs, à aucun moment, je crois qu'il utilise l'autre tranchant. Hein. Il s'en serait bien mieux sorti avec une épée normale, et ça lui aurait permis de reboot le MCU. Ce qui aurait été pas plus mal. Bon, vu que ce sont des armes très ressemblantes, je vais aussi mentionner les épées jumelles d'Illidan dans Warcraft. Même si les deux lames sont tournées cette fois-ci du même côté, permettant d'exploiter un minimum la seconde lame, ça reste vraiment pas terrible, hein, surtout avec une dans chaque main. Mais bon, après voilà, elles iconisent le personnage d'Illidan, le permettant de le rendre encore plus stylé qu'il ne l'est, donc je veux pas être trop méchant avec. Bon là, je les mets ensemble parce que ce sont exactement la même chose, les deux chapeaux tranchants de Ho-Job et Kung Lao. Pour rappel, Ho-Job, c'est le garde du corps de Goldfinger et un des ennemis d'une James Bond de 1964. Et Kung Lao, un moine Shaolin faisant partie des guerriers de la Terre dans la série de jeux de versus fighting Mortal Kombat. Anecdote rigolote d'ailleurs, le créateur de Mortal Kombat avouera qu'il s'est inspiré du personnage de Ho-Job pour faire Kung Lao. C'est rigolo du coup. Et l'intérêt de cette arme est... Elle est ultra dangereuse pour son porteur parce que tu peux manquer de te couper à chaque fois que tu l'attrapes. Et une arme qui est dangereuse pour son utilisateur, c'est un des premiers indices pour dire que c'est pas folichon comme histoire. Et puis techniquement, ça sert qu'une fois. Donc si tu rates ta cible ou que tu affrontes plusieurs adversaires, bah tu te retrouves comme un con et sans chapeau en plus. Bon, Kung Lao il cheat parce que son chapeau revient vers lui comme un boomerang, ce qui d'ailleurs est nimble car à tout moment tu te tranches la main en l'attrapant. Mais bon, dans James Bond c'est traité de manière plus réaliste et tu vois que bah, c'est nul en fait. Pareil, plusieurs armes, mais un concept d'arme claqué au sol, les glaives. Alors si dans la vraie vie, le glaive désigne le gladius des Romains, dans la fiction, c'est une arme de jet, une sorte de chakram, mais pas pratique. On les retrouve effectivement dans les films Blade, mais aussi dans le film Krull et aussi dans le jeu vidéo Warframe. Le meilleur free-to-play qui soit, et je ne veux rien entendre. Sauf qu'il va falloir m'expliquer comment tu peux lancer et surtout attraper cette arme sans te trancher les doigts, voire te tuer toi-même. Il n'y a aucune prise en main qui soit adéquate, et preuve en est que dans la célèbre émission Man at Arms, où ils forgent des armes de fiction, ils font semblant de la lancer par une astucieuse mise en scène, tout simplement parce que quand tu tiens l'objet comme ceci, c'est littéralement impossible de le jeter correctement. En fait, il lui faudrait une aile non tranchante pour pouvoir la saisir. Alors ok, dans Krull, elle est magique, il la contrôle plus ou moins par la pensée, mais il doit quand même pouvoir la jeter et la rattraper. Si c'était réaliste, ses doigts deviendraient des saucisses snacky. Et même au corps à corps, l'arme elle n'a aucun sens. Pour moi, il n'y a aucune utilisation qui ait du sens avec cette arme. Encore une fois, quand on met plusieurs lames sur un objet, c'est jamais une excellente idée. Hein. Même si j'adore le manga Gunnm, que peut-être vous connaissez via le film pas ouf mais ok, Alita Battle Angel, il y a une arme qui, si on réfléchit bien, est super dangereuse à utiliser. Je vous présente Ido Daisuke. Docteur en cybernétique et sorte de père adoptif de l'héroïne de Gunnm, Gali, ou Alita dans la version Riken. Et c'est pour ainsi dire le seul personnage bienveillant avec un cœur pas trop merdique dans cet univers. Mais comme il évolue dans un monde pourri, il a bien aussi une partie plus sombre. La nuit, il est chasseur de primes. Et quand tu es un simple humain sans amélioration cybernétique, au milieu de criminels tout plus augmentés les uns que les autres, eh bien tu t'équipes d'une putain d'arme badass, un marteau à réaction. Alors certes, les passages avec le marteau sont très stylés et les ennemis de Ido n'ont aucune chance de survie, ça on est d'accord, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'une arme comme ça, pour un humain normal, c'est impossible à manipuler. Déjà, vu la gueule du marteau plus le système dedans pour le réacteur, ça doit peser 3 tonnes et demie, donc juste y soulever pour amorcer la frappe doit être quasi impossible. Et même si vous arrivez à amorcer une frappe, rien que le poids dans la tête du marteau va vous décalquer l'épaule. Alors imaginez avec l'ajout d'une poussée d'un moteur à réaction. Là, à mon avis, l'épaule, elle part en vacances direction Zalem, pour ceux qui ont la ref. La Gunblade, ou pistolam pour les gens qui sont allergiques à l'anglais, est une arme ultra iconique, et participant certainement au fait que FF8 fut un jeu à succès. Le concept, sur le papier, il est génial et original, et elle rend notre héros encore plus héroïque et mystérieux grâce à une arme que finalement très peu de personnes dans son monde maîtrisent aussi parfaitement. Sauf que quand on regarde la tronche de l'arme, et qu'on la met dans un contexte où je ne suis pas un ado dépressif avec une force surhumaine et un furet mort en guise de colle, ce n'est ni une bonne épée, ni un bon pistolet. Vous voulez tirer sur des cibles? Eh bien bon courage pour viser correctement avec une lame qui pèse 1,5 kg au bout du canon. Vous voulez découper des trucs? Eh bien bonne chance pour faire le moindre geste cohérent avec une poignée aussi merdique. Qui est d'ailleurs merdique même pour tirer car elle est beaucoup trop horizontale. Tu te retrouves à la tenir avec le poignet cassé comme ça, plus le poids de l'arme. Pour viser, c'est pas Jojo quoi. En fait, c'est la pire idée, c'est un très mauvais pistolet et une très mauvaise épée. En plus, le moindre coup d'épée sur le système de tir qui est au-delà de la garde, bah ça le rendrait complètement inutilisable. Limite, en le déformant, l'arme pourrait vous exploser à la tronche en l'utilisant. Ce qui est quand même un peu con. Ce qui est drôle, contrairement aux armes précédentes, c'est qu'il y a eu des tentatives de pistolam dans la vraie vie. Sauf que ça n'a jamais vraiment marché. C'est bien pour ça que c'est toujours resté au stade expérimental ou au stade de... je vais faire une arme ultra stylée d'apparat. Mais je pense qu'on fera une vidéo sur ce phénomène très curieux de vouloir mettre des flingues sur des armes blanches. Bon, je pense que clairement c'est une liste non exhaustive et qu'il y a certainement d'autres armes qui sont vraiment nulles à chier dans la fiction. Mais là je vous ai vraiment dit celles qui me viennent à l'esprit, n'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres qui vous viendraient à l'esprit. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à exploser le bouton j'aime et à partager cette vidéo sur les différents réseaux sociaux, à nous rejoindre également sur les différents réseaux sociaux. On est sur Twitter/X, Instagram, mais aussi sur Twitch. Et si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me faire d'autres suggestions d'idées dans l'espace commentaire. Et évidemment, si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, nous avons la page KissKissBankBank qui est disponible dans la description. En tout cas, moi je vous laisse, et en attendant la prochaine vidéo, garder l'esprit affûté.